Hey, Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour la construction d'une villa moderne sur Minecraft, qui est donc cette maison-là. Une maison moderne, une villa moderne avec énormément de terrasses et de piscines dans tous les sens, comme vous pouvez le voir sur la maison elle-même. Mais bien évidemment aussi, on a une piscine qui est creusée au-dessus d'un salon qui est creusé dans une fosse en dessous de la piscine, parce que vous le savez, sur cette chaîne YouTube, évidemment, nous ne sommes jamais assez luxe. Faut le savoir. La maison elle-même est sur pilotis, comme vous pouvez le voir, parce qu'encore une fois, nous ne sommes jamais assez luxe. Voilà, bien sûr. Donc on va réaliser cette maison-là en tutoriel. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, nous faisons énormément de tutoriels de maisons modernes, de villas de luxe modernes, devrais-je dire, avec notamment cette maison-là, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, ainsi que celle-ci et l'autre derrière. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. On se retrouve du coup tout de suite pour cette maison-là en tuto. On va voir le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok. Allez hop. Et avec ça, ce sera tout bon. Voilà, nous allons faire le tutoriel sur une flat map. Juste avant, petite précision, en fait, les carrés que vous avez vus à ce niveau-là, en fait, ce sont des places de parking. Donc, ce sont des emplacements pour voitures. Et ils ont été faits en verre, parce qu'encore une fois, on n'est jamais assez luxe. Et évidemment, en plus de ça, ça nous permet d'utiliser ce verre-là, hop, pour réaliser des puits de lumière à l'intérieur d'une cidrerie. Une cidrerie artisanale avec d'énormes tonneaux et d'autres tonneaux plus pratiques, disons-nous. Un petit bar de dégustation. Hop. Car, comme vous avez vu, nous avons des arbres ici, un espèce de verger accompagné avec la maison. Parce que voilà, on aime se faire plaisir. Pour réaliser cette maison-là, il va falloir mettre en place un espèce de socle, ici comme ça, donc un pattern de la maison. Hop, donc ici vous avez reconnu, il y aura le socle de la maison. À ce niveau-là, ce sera la fosse. Et ici, la piscine, bien sûr. Hop, petite précision. Sur les dimensions que je vais vous donner dans le plan qui va s'afficher sur votre écran, hop, ces pierres-là, vous voyez, sont incrustées dans le sol, à un bloc dans le sol. Ok, donc sur tout le long de la fosse ici jusqu'à là, et ça repart par là-bas. Tout cela, c'est à l'intérieur du sol. Ok, pareil ici. Sur ces petites lignes de blocs. Tout le reste des blocs que vous avez ici seront posés dessus, sur le sol. Comme ça au moins, hop, il n'y aura pas de souci. Hop. Allez, je vous montre le plan pour réaliser tout ça. La seule petite précision à rajouter, ce serait pour ces deux pilotis-là, vous voyez. En fait, pour réaliser ces deux pilotis-là, youp, il faudra s'aligner avec les autres piliers, ok, et prendre une marge par rapport à cette ligne de blocs ici, de 1, 2, 3, 4 blocs, ok. Donc voilà, aligner avec les autres, 4 blocs de marge. La même chose de l'autre côté, bien sûr, hein, on aligne avec les deux autres ici, et on laisse 4 blocs de marge. Comme ça, on est bon. Alors maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le socle lui-même. Donc, on va tout monter à deux blocs de hauteur, en fait. Ok, donc toute la partie en bloc que vous voyez à ce niveau-là. Hop, youp, voilà. On met deux blocs comme ça. Vous voyez, comme ça, on a deux blocs de haut sur toute la longueur, sur toute la surface. Allez, hop.
Ok, donc une fois qu'on a monté tout notre petit socle à deux blocs de hauteur, on va utiliser une troisième couche, mais que à certains endroits, d'accord? Donc on va partir de là, ok? On va aller tout jusque là, on va faire toute cette ligne ici, ici, ici et ici, et tout le reste, donc cette ligne-là et les lignes du fond ici, vont rester sur deux blocs de hauteur, d'accord? Je vous montre ça, hop, donc jusqu'ici, hop, voilà, cette ligne-là aussi, hop, donc ici on laisse sur deux blocs, et on part comme ça. Hop, trois blocs. Hop, ok. Ok, pareil, ici. Alors, paf. Paf, comme ça, ok. Donc, ici, de l'autre côté, là où on a laissé en, sur deux blocs de hauteur, on va reprendre la même ligne qu'en face, c'est-à-dire on va faire ça comme ça, d'accord? Comme ça, on a les deux choses parallèles. Et cette ligne-là servira en fait de mur à l'intérieur pour la cidrerie. Ok, donc une fois qu'on a ça maintenant, on va mettre le plancher. Alors le plancher lui-même, comme on va le voir, il va être en andésite poli, d'accord? Donc je vous invite à vous munir de l'andésite poli, paf. À la limite aussi du verre gris, tout ce qu'il y a pas dedans, ainsi que des dalles d'andésite poli comme ça, d'accord? Hop. Donc on va mettre une rampe pour pouvoir avoir accès en voiture au socle, au parking évidemment. Donc on va venir ici là, on va venir mettre une dalle, une ligne de dalle, youp, par devant comme ça, d'accord? On va venir utiliser des andésites poli comme ça sur deux blocs, hop, ok, une dalle comme ça, une ligne de dalle comme ça, hop, pareil, andésite sur deux blocs. Hop, voilà, on reprend les dalles et vous avez compris le principe. Deux blocs, une dalle, deux blocs, une dalle. Paf, vous voyez. On reprend, non, les blocs, j'ai dit, voilà. On reprend deux blocs d'andésite et vous voyez, on arrive pile poil au bout de notre ligne de pierre qu'on avait mis tout à l'heure. Comme ça, ça veut dire qu'on est bon. Donc, tout le reste, en fait, de la surface de la, du socle ici, pour l'instant, on va le mettre en andésite poli. Bien sûr, il y aura les parties en vert. Et faut juste pas oublier, en fait, l'emplacement des piliers ici, vous voyez. Moi, je vais les mettre à cette hauteur-là, comme ça, au moins. Hop. Moi, je vous avais donné tout à l'heure l'emplacement des piliers, comme ça, il vous est donné. Hop. Et voilà. Donc, pour l'instant, on va remplir toute la surface avec de l'andésite poli, comme ça, ce sera fait. Allez, hop. Hop. Donc, voilà. Alors, il y a les piliers qui sont un peu drôles. Hop. Voilà. Donc, on va quand même placer directement les places de parking parce que bon, quand même. Donc, on va prendre les places ici comme ça. On va venir ici sur le coin. On va laisser un bloc, puis un autre bloc comme ça. Et on va faire une ouverture de 3 blocs sur 6 de long. Ok, 3 blocs sur 6. Comme ça. Et on va les espacer de 2 blocs. Hop, vous voyez donc deux blocs chaque place, donc hop, voilà, 3, 4, 5, 6, hop, voilà, ok, on fera la même chose de l'autre côté, ok, vous voyez donc on reprend les mêmes trous de l'autre côté, et une fois qu'on a ça, ben on va tout simplement remplir avec de la vitre grise, hop, la surface, allez hop, hop, bon, et bien voilà, alors on fera l'en dessous, ce qu'il y a en dessous, la cidrerie plus tard, hein, mais on va vraiment faire la structure de la maison d'abord, donc dans le creux qui nous reste du coup, dans la partie en L comme ça, on va reprendre les blocs d'herbe tout simplement. Hop, et on va remplir la surface ici de blocs d'herbe pour faire un petit jardin. Et yep. Ok, donc pour l'instant, on a ça. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de tout de suite vous donner la structure des étages, des différents étages, hein, vous voyez. Donc les parties en blanche ici. Comme ça, ça sera fait et comme ça, on pourra avoir une structure déjà faite. Donc, ce que je vous propose...
C'est que le bord de l'étage ici, je vais vous montrer là-bas, sur notre modèle. Hop. Le bord de notre étage ici va être à 7 blocs de hauteur au-dessus du niveau du sol, comme ça. Et ce qu'il faudra faire, c'est de prendre ce pilier-là, vous voyez. Hop, aller sur un bloc sur le côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs ici. Et à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au 7e bloc, vous posez votre, on posera notre premier bloc, d'accord? Donc, ce bloc-là, ça correspondra au bloc que je vais vous montrer. Voilà, je vous ai posé le premier étage, en tout cas la forme du premier étage. Et donc, c'est ce bloc-là du coin, ok, qu'il faudra donc compter à partir de ce bloc-là, 8 blocs sur le côté et 7 blocs en hauteur. Et ce 7e bloc, ça sera celui-là, d'accord? À partir de ce bloc-là, du coup, je vais vous donner les dimensions pour réaliser tout le reste de ce premier étage. Allez hop! Ok, alors une fois qu'on a notre contour, hein, une fois que vous avez le contour de l'étage ici, que l'on va faire en smooth quartz, donc en quartz lisse, eh bien il faudra remplir tout l'intérieur, bien évidemment, de quartz. Allez hop, on va faire ça. Youp, ok, voici ce que ça donne. Donc une fois qu'on a ça, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement le deuxième étage, hein, comme ça, donc je vais vous le faire ici et après je vous donne les dimensions. Et hop, voici ce que ça donne. Alors du coup, pour réaliser cette partie-là, eh bien il faudra, hop, au niveau du bord ici, au niveau du bout, vous voyez, superposer par rapport à l'étage du dessous. Vous voyez, donc toute la ligne ici est exactement la même qu'en dessous, toute la ligne de l'arrière est la même, pareil à l'arrière là-bas, c'est juste ce côté-là qui change en fait. Et il faudra mettre 1, 2, 3. 4 blocs d'espace du coup entre les deux étages, d'accord? Allez, une fois qu'on a ça, je vais vous donner les dimensions pour le réaliser. Allez hop. Et pareil, une fois qu'on a notre étage ici, eh bien on va le remplir avec du quartz. Du quartz lisse du coup sur toute la surface. Hop, comme ça on a rempli notre deuxième étage et on va pouvoir mettre le troisième. Voilà, donc le troisième étage du coup, pour pouvoir le situer par rapport aux autres, il faudra le prendre, il faudra aller à l'arrière ici, vous voyez. Hop, et ça sera tout superposé par rapport aux autres étages à l'arrière, vous voyez. Donc il faudra pareil laisser 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur entre chaque étage. Je vais vous donner les dimensions pour le réaliser du coup maintenant. Allez hop. Allez. Voilà, et pareil, hein, vous avez compris l'idée maintenant. On bouche. Hop, tout ça avec du quartz lisse. Hop. Donc voilà, j'ai mis aussi directement le troisième étage, comme ça c'est fait. Alors, pour pouvoir placer le troisième étage, ça va être un petit peu différent des autres, parce que, vous voyez, là-bas, il est un petit peu décalé. Vous voyez, les deux premiers étages, en fait, ici, les trois premières couches, qui sont alignées les unes aux autres, mais le troisième étage, lui, il est décalé. Vous voyez? Et donc, on va prendre à partir de l'arrière un repère qui va nous permettre de poser notre premier bloc. Donc, vous prenez le coin ici, hein, ok. On compte 1, 2, 3, 4, 5 blocs et 1, 2, 3, 4 blocs de marge, ok. Et au cinquième bloc, on pose notre dernier bloc, notre bloc du coin ici. Oui, donc 5, 5. Hop, bon, très bien. Une fois qu'on a ça, je vais vous donner les dimensions pour réaliser le troisième étage. Allez, hop. Et comme d'habitude, hop, évidemment, on le remplit avec du quartz lisse. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On a placé enfin nos différents planchers des différents étages. Et on commence à voir apparaître la structure de la maison.
Donc ça c'est pas mal déjà, vous voyez, on voit les terrasses et tout ça. Donc maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de mettre les pilotis en place, comme ça c'est fait. On va venir reprendre le bloc de béton gris et on va venir, hop, augmenter nos piliers pour qu'ils touchent notre maison, évidemment. Hop, ici comme ça, voyez. Là pareil, vous avez, hop, plus qu'à les mettre jusqu'au plafond, voilà. Et la même chose pour les autres piliers du coup, hein, ici, là-bas et là-bas. Allez, let's go. Hop, voilà, donc on a fait nos piliers de maison. C'est déjà pas trop mal. Ce que je vous propose de faire du coup maintenant, c'est d'utiliser des escaliers en quartz du coup. Et on va faire venir, on va faire des escaliers en quartz du coup sur tout le tour de la maison comme ça. Hop, on va le faire comme ça, tu vois, on va mettre des escaliers à l'endroit sur le pourtour de toute la maison. Et après, on mettra des escaliers à l'envers comme ça, vous voyez, par-dessus. Hop, voilà, donc voilà, on va faire ça sur tout le tour de la maison. Donc on met d'abord les escaliers à l'endroit comme ça. Hop, voilà, donc j'ai fait tout le tour ici du premier étage, hein, vous voyez. Maintenant l'idée, bah, comme je disais, on rajoute les escaliers à l'envers par-dessus, hop, 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 hop. Pop, pop, comme ça, de sorte que vous avez une petite rambarde lorsque vous êtes sur le truc là, sur le plancher. Voilà, vous avez une rambarde. Hop, et c'est ce que ça donne de l'extérieur. Ok, bon bah voilà, hein. On le prolonge sur toute la longueur. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc j'ai fait le premier étage, vous voyez, donc la bordure du premier étage. Comme ça, ça nous donne de loin un effet assez sympathique, vous voyez. Et puis de l'intérieur de la maison, ça donne vraiment une rambarde pour le, bah, pour l'étage. Du coup, c'est cool. L'idée, c'est de faire la même chose ici, ici, mais pas au dernier étage. Le dernier étage, on va ne faire qu'un seul escalier à l'endroit, ok. Mais on ne mettra pas la couche du dessus. Hop, on va faire juste ça. Et puis c'est tout. Hop. Youp, youp, youp. Etc, etc. Donc, bah, let's go. Hein. Y a plus qu'à, y a plus qu'à. Je vais finir celui-là, moi, tiens. Hop. Donc, voilà ce que ça donne avec les escaliers posés, les rambardes posées au niveau de chaque étage. Donc ça donne quand même quelque chose. J'ai pris aussi le temps de placer les emplacements pour les murs, en fait, et pour les fenêtres. Ça va pas être bien compliqué, hein, d'ailleurs, pour les murs et les fenêtres, parce que comme vous pouvez le voir sur le modèle, sur la maison, les murs et les fenêtres sont tous alignés comme ça, d'un étage à l'autre. C'est partout pareil. Donc, voilà, au moins ça sera assez facile. Pour pouvoir placer les murs, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au premier étage et de prendre le coin à partir de ce niveau-là. D'accord ? On va prendre du béton gris. Et à partir de ce bloc-là, ok, on va faire une ligne de 7 blocs de béton gris. Ok, comme ça. À partir de ce bloc-là, jusqu'ici, on va en mettre 6. Petite astuce aussi, d'ailleurs, on va laisser un bloc sur la longueur, comme ça, entre la rebord, la bordure et le mur. On va toujours laisser un bloc comme ça de marge. Comme ça, on pourra faire tout le tour de la maison si on veut sur un bloc de large. En réalité, ce qu'on va pouvoir faire, ce sont des feuillages. Comme ça, on va mettre des feuilles sur la longueur. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une espèce de grand balcon, une espèce de grand pot de fleurs sur tout le long de notre étage. Ça va être plutôt pas mal. Bref, donc 7 blocs ici, 6 comme ça. Ici au milieu, il me semble qu'on a 6 blocs de large, ok, dans notre fenêtre. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs pareils jusqu'ici et 7 ici. Alors, aussi autre astuce, les murs et les fenêtres d'un côté de la maison sont exactement les mêmes de l'autre côté. Vous voyez? Hop, là, les fenêtres sont à la même place, les murs à la même place, les fenêtres pareilles, etc., etc. Donc voilà, il suffira de faire juste un seul bord et refaire la même chose de l'autre côté. Comme ça, c'est bien pratique là aussi.
Ok, donc, 7 blocs ici, 7 blocs de trous où il n'y a rien, 4 blocs de mur, 7 blocs de trous, 4 blocs de mur, 7 blocs de trous, ici 8 blocs en longueur, donc de ce bloc là jusque ici, ok, et à côté donc de ce bloc là jusqu'ici, il y a 8 blocs là aussi, ok. Après, on laisse une marge de 14 blocs de long, comme ça. Et de l'autre côté, pareil, hein, on laisse 8 blocs ici, donc de ce bloc-là jusque-là, ça fait 8 blocs. Et de ce bloc-là jusque-là, ça en fait 7. Ok ? 7 blocs de trous, 10 blocs en longueur, 14 blocs de trous, et 10 blocs en longueur. Et là, pareil, 6 blocs ici, attends, non, c'est bien 6 blocs, ouais, c'est ça, 6 blocs, 6 blocs, 6 blocs, et on fait la même chose de l'autre côté, voilà, la même chose. La seule différence, ça sera à ce niveau-là, là, vous voyez, on a mis des blocs comme ça, bah, de l'autre côté, on laissera juste un trou, et on mettra pas de blocs dans l'autre sens, bien sûr, on laissera juste 14 blocs de trous, et puis c'est tout. Voilà, donc ça, c'est pour les murs du premier étage. Ce qu'il nous faut faire maintenant, bah, c'est de se les monter, tout simplement, construire les murs, parce que là, on les a mis les traces au niveau du sol, mais hop, maintenant, on va monter les murs. Allez, hop, on fait ça rapidement. Youp. En enlevant les pancartes, hein, moi, j'ai mis les pancartes juste pour... juste comme ça, mais vous n'avez pas besoin, bien sûr. Allez, hop. Yep. Ok, donc on a mis tous les murs du premier étage, on n'a pas encore posé les vitres pour les fenêtres, mais ça ne saurait tarder. On va d'abord mettre les murs pour les autres étages, comme ça moi c'est fait. Mais comme vous l'avez, comme je vous l'ai dit, hein, regardez, les murs, hop, ils se prolongent au-dessus, exactement de la même façon, paf, paf, vous voyez. Donc voilà, la seule différence, ça va être ici, là vous voyez, il n'y a pas de mur qui vient sur la terrasse à ce niveau-là. Donc on s'arrête là. Et puis... la deuxième différence, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, donc, au niveau de la fenêtre qui est entre les deux terrasses. Eh bien, au niveau du dessus, on aura juste une ligne de 5 blocs ici, alors qu'en dessous, on avait une ligne de 10 blocs. Je crois. C'était 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Donc, voilà. À la place du 10, on a du 5. Mais sinon, c'est tout pareil. Donc, il n'y a plus qu'à. Pareil, pareil. Allez, hop. On met les murs jusqu'au plafond. Voilà, pareil, hop, et vous voyez bien que tous les murs sont superposés, là on commence à bien le voir. Donc au niveau du troisième étage, ça va être la même chose, ici, on va juste avoir une différence, là où on avait un mur de 7 blocs de long, évidemment, là il va y avoir une terrasse, vu que les murs, enfin vu que le toit est décalé, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va venir ici, là, au niveau du coin, et à partir de ce bloc-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, et au sixième bloc, on pose notre bloc ici, d'accord. On se fait une ligne de 3 blocs, ok. Et sinon, eh bien le reste, la fenêtre, elle va être la même qu'en dessous, les murs même qu'en dessous, etc, etc, la même chose qu'en dessous, jusqu'ici, donc jusqu'avant la terrasse, hein, du mur d'en dessous, eh bien on va mettre que 3 blocs à ce niveau-là, au lieu des 8 blocs ici, il me semble, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, voilà, vous aviez une ligne de 8 blocs en dessous, et là, on n'aura plus que 3, d'accord. Et sinon, tout pareil, voilà, bon, bah, voilà, pareil, hein, maintenant, plus qu'à mettre les murs jusqu'au plafond, et après, on mettra les fenêtres. Ok, donc, on a mis les murs pour toute la maison, comme ça, voilà. Et puis, du coup, maintenant, il reste les fenêtres à faire, comme je disais. On va d'abord vraiment différencier les fenêtres des entrées, là où on peut passer et là où on ne peut pas passer, en gros. Ici, comme vous pouvez le voir, bah, c'est un accès à une terrasse, donc il va falloir avoir une ouverture, une porte. Donc, on va juste faire 3 blocs de vitres comme ça, vous voyez. Hop, paf, 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 sur le côté. Une sur le dessus, une ligne, hop, comme ça jusqu'à l'autre côté. Hop. 3 comme ça. Donc voilà, histoire de montrer qu'il y a quand même une vitre, mais quand même un passage.
La même chose du coup ici, là vous voyez hein, les accès aux terrasses, elle est vraiment grande cette terrasse d'ailleurs, on va en profiter, vous inquiétez pas. Là on va mettre deux blocs de vitres, enfin deux lignes de vitres au niveau du dessus, comme ça on peut passer en dessous, nickel. Semble-t-il que c'est bon, c'est tout pour cette terrasse là. De l'autre côté ici c'est une fenêtre, ok donc c'est bon. Il y aura au dernier étage ici, vous voyez, il y a une terrasse, donc pareil, on met juste une ligne, hop. Comme ça, deux blocs au-dessus. Et pareil de l'autre côté. Hop. Hop, paf, paf. Et puis, donc, en dessous, ici, pareil, hein, on va mettre, hop, un, deux, trois blocs de vitres. Hop. Une ligne au plafond. Ok, on pourrait en mettre deux couches, on pourrait en mettre qu'une, comme on veut. Ici, pareil, voilà, donc on a accès à une terrasse. Donc quand il y a vraiment des grands, grands écarts comme ça, on peut vraiment se faire plaisir et rajouter pas mal de vitres. Hein. Hop. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai... fait à peu près tous les accès. Donc voilà, l'idée c'est que tout ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire tous les vitres ici, enfin toutes les fenêtres, partout là il y a des trous, ici, ici, en face, là-bas, 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 etc., etc. Tout ça, ça va être des vitres qui vont être, enfin des fenêtres qui vont être remplies de vitres à 100%. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire, hein. Allez, on remplit tous les trous de l'étage et de chaque étage. Allez, hop. Bon, bah enfin, ça prend un certain temps quand même, mettre toutes les vitres comme ça. Mais je l'ai fait. Du coup, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est mettre quand même la porte d'entrée, parce que malgré tout, je vous ai montré comment on faisait les étages et tout, mais je vous ai pas montré comment on fait l'escalier. Ce qui est quand même bah, un petit peu dommage. On va venir au niveau du socle, on va venir prendre ce pilier-là, le joli pilier. On va venir prendre ce bloc-là, on va compter 1, 2 blocs et... Hop, à partir du troisième, on met un bloc ici. C'est une dalle, en réalité, de quartz. On en met 6. 3, 4, 5, 6, parce qu'on va faire un escalier badass. Et on va faire une marche de 4 blocs de longueur, comme ça. Hop, comme ça, ok. Alors, on va faire une dalle de un bloc en plus, comme ça. Hop. Une autre marge de la même taille, hop, comme ça, donc de 4 blocs de large. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les blocs de béton gris, on va venir à l'arrière ici, et on va venir en mettre comme ça, des blocs de béton. Ça va nous permettre, hop, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture ici, voilà, de la même largeur que l'escalier lui-même, pour faire un petit peu de lumière, j'allais dire, mais aussi tout simplement avoir un accès pour pouvoir monter à l'étage. Accessoirement, ça peut être intéressant. Hop, hop, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un escalier très très large pour vraiment montrer que, voilà, nous, chez nous, c'est vraiment, hop, un espèce de palais romain. Même si honnêtement, je sais pas, moi, la grande maison comme ça, avec l'escalier qui s'ouvre par dessous, ça me fait penser à un vaisseau spatial. Vous savez, un vaisseau extraterrestre qui s'ouvre par dessous comme ça. Donc, je sais pas, ça fait encore la touche futuriste en plus, tu sais. Ça fait bien, ça fait bien. Alors, on ouvre comme ça et on va faire une marche de deux blocs ici, comme ça. De sorte que lorsqu'on regarde par-dessous, vous avez des marches que de deux blocs. Sauf ici, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une marche de ce qu'il faut? Hop. Alors, normalement, il faut avoir des marges de deux blocs vus du dessus, hein, comme ça, de deux par deux. Pourquoi est-ce que j'avais un problème? Et ben voilà, non, ben, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire. voilà. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est... On peut faire le toit, par exemple. Ce qu'on va faire au niveau du toit, c'est que l'on va faire un puits de lumière vu du dessus, du coup, en plein milieu du toit, on va faire un puits de lumière qui va être aligné avec la fenêtre ici, parce que tant qu'à faire,
Donc, le toit fait, je ne sais pas combien, fait combien de largeur il fait le toit? Il fait 24 blocs de large, donc on va utiliser à partir de 12 blocs. Hop. Alors, ils sont où les blocs de vitre? Ils sont là. Alors, à partir de 12 blocs, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, paf, paf. Vous voyez qu'on soit bien au centre. Alors, je ne me rappelle plus combien de blocs de large j'avais fait pour la fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok, et en largeur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Ok. Paf. Donc, on va mettre 4, 5, 6 blocs de large, hein, bien centré au milieu du toit. Ok, et on va le faire hop, sur la même largeur que la fenêtre, tant qu'à faire. Je crois que j'avais pas fait ça là, sur le modèle, mais nous, on va faire ça comme ça. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 blocs de large, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait un trou au milieu comme ça. Vous voyez, donc de 6 par 7. Youp. Et on va mettre des blocs de vitre hop dans le toit comme ça. Ok. Ok. Et l'idée, justement, la petite astuce design, on va dire, ça va être l'utilisation des aérosols, pas du tout, des panneaux solaires que l'on va mettre dans l'alignement avec notre puits de lumière qu'on vient de faire ici. Un puits de lumière, ce n'est ni plus ni moins qu'une fenêtre par dessus, hein, tout simplement. Vous voyez, hop, et on va venir mettre des panneaux solaires comme ça sur toute la longueur. Youp. Vous voyez, donc ici et là, on remplit tout ça de panneaux solaires. Alors, attends. Hop. Allez, zou. Ok. Ah oui, il faut les mettre en mode nuit aussi, les panneaux solaires. Comme ça, ça fait plus réaliste, je trouve. Voilà, donc ce que l'on peut faire aussi, c'est que l'on peut utiliser les trappes en fer, les iron trap d'or, si tant est que je les trouve. Alors attends, oui, ils sont là, ils se sont cachés, et on prend aussi des rails. Encore une fois, c'est une astuce que j'utilise très souvent depuis des années et ça marche toujours aussi bien. Donc on fait un carré comme ça. Ok, avec 4 par 4 de large, et on met des rails au milieu. Voilà. Hop. Parce que sur le toit, ça passe bien. Hop. Voilà, donc ce qu'on peut faire maintenant, je pense qu'on va faire l'aménagement après. On va vraiment finir les grandes structures de la maison dès le départ. Ok, donc là, la structure de la maison est finie. Il faudra faire l'escalier à l'intérieur, mais bon, moi, je trouve que c'est de l'aménagement. Après, on fera les terrasses et tout ça, mais après. On va d'abord faire le socle maintenant. Non, pas du tout. Le socle, d'ailleurs. On va utiliser des... comment on appelle ça? Des... diorite wall. Ou alors n'importe quel wall de la matière que vous voulez. Moi, j'utilise des diorite wall et je les mets ici comme ça, c'est-à-dire deux plots devant les parkings, les places de parking, pour éviter aux voitures de tomber devant, quoi, vous voyez. Donc paf, 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 vous voyez, devant les places à chaque fois. Et l'idée, c'est que ici sur le côté, on va les prolonger, quoique non, attendez, on va faire de l'autre côté d'abord. Vous voyez, ça rend un peu mieux quand même. Voilà. Donc, on va faire le trou ici. Donc, on va venir creuser. On va venir creuser à 8 blocs de profondeur dans la fosse. Donc, dans cette longueur-là. Ok. Et jusqu'à 5 blocs de profondeur dans la partie où il y aura la piscine. Ok. Donc, on va d'abord creuser 8 blocs dans la longueur. Hop. Donc, alors, on va enlever... En comptant ce bloc-là, donc ça fait 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Maintenant, il va falloir enlever, hop, toute la terre jusqu'à 8 blocs.
Donc sur toute la longueur ici, tout jusqu'au bout là-bas, hein, évidemment. Voilà. Donc ça nous fait un sacré morceau à enlever. Hop. Allez, let's go. Ok. Donc on a creusé un trou comme ça, donc bah voilà, hein, ça nous fait notre fosse. Ce que l'on va faire, c'est que au niveau des murs déjà, hop, vous voyez ici sur toute la longueur ici, ben on va faire, on va enlever les blocs qu'il y a en dessous, hop, et on va utiliser des dalles, non des comment ça s'appelle, des smooth stones, des pierres lisses du coup, et on va, hop, voilà, enlever les murs ici comme ça et mettre des pierres lisses à la place, hop, hop, voilà, youp, et on va faire ça sur tous les murs, sauf en dessous la piscine, là vous voyez au niveau des murs en verre, enfin on a des blocs en verre qu'on avait mis avant, on va pas en faire entre là, et ici on ne mettra pas de pierre lisse, ok, pareil de l'autre côté, hein, du coup entre cette zone là, hop, et la zone là-bas, en fait on va en mettre mais que sur les trois premières, couches ici, donc ces couches là, ici et là, ok, là on mettra des blocs, hop, de pierre lisse, youp, vous voyez ici comme ça, hop. Hop, comme ça, la même chose de l'autre côté, hein, mais ici pour les trois premières couches. Pareil, du coup, des pierres lisses sur tous les murs ici, ainsi que ici, là, en dessous, le socle, ici et ici. À la différence que ici, on mettra un trou, en fait, on va faire un trou, mais ça, on le fera plus tard. Et la différence, c'est comme vous l'avez vu, du coup, sur notre modèle, on va faire une pente très douce, on va faire une espèce de rampe très douce comme ça, vous voyez, avec deux blocs, des marges de deux blocs par deux blocs, parce que pourquoi pas, voilà, c'est le côté prout prout, c'est le comté qu'on aime bien, donc voilà, on va faire ça, hop, youp, ici on met une deuxième ligne de blocs de pierre, hop, et après on va faire des marches comme ça, paf 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 paf. Paf paf. Alors, on va même en réalité enlever les deux dernières marches et faire une ligne comme ça, vous voyez, au niveau des trois dernières marches, comme ça. Parce que, comme ça va être une piscine à ce niveau-là, bah voilà, comme ça au moins on aura une piscine avec un bord net et lisse, vous voyez, et donc on va faire une ligne comme ça. Hop. Hop. Youp. Voilà, et maintenant on remplit hein, toutes les marches, hein, hop, rapidement. Ah, j'ai loupé. Hop. Et voilà notre jolie petite rampe. Allez, du coup, on va mettre ce mur-là, celui-là et ce là-bas en bloc de pierre, du coup. Allez, hop. Hop, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas rempli les parties de la piscine, hein, comme je vous l'avais dit, et cette partie-là non plus, parce que ça va être l'emplacement pour l'escalier. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va reprendre, yep, les blocs de smooth quartz, ok, et on va venir mettre une ligne ici. Ok, on va faire l'escalier tout de suite, comme ça, ça sera fait. L'escalier du coup, alors, oui, il faudra faire le plancher d'abord peut-être, avant l'escalier. On va prendre des blocs de bois de chêne classique, on va prendre des dalles de bouleau, hop. Et on va venir mettre un plancher comme ça sur toute la longueur, quasiment toute la surface de la fosse. En fait, il va y avoir trois zones différentes. Il va y avoir une zone de plancher, une zone sous la piscine qui va être un petit peu plus basse que le reste, et une autre zone de plancher derrière, en fait. Allez, hop, je finis ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première zone, du coup, hein. On met vraiment des planches là-dessus, partout. Ok, au niveau du dessous de la piscine, ici, comme ça, on va mettre des dalles de... On est arrivé où? Des dalles de bouleau. Des dalles de bois de bouleau, ok, donc sous les zones
en bleu qu'on avait mis tout à l'heure. Hop. Voilà. Ok. Et toute cette zone-là, on va la remplir en dalle de boulot. Ok, let's go. Youp. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne pour les deux premières zones. Alors ça va être plus facile maintenant de commencer par l'arrière là-bas. En fait on va venir prendre des blocs de quartz ou des blocs blancs, peu importe si c'est du quartz, de la neige ou de la laine en fait finalement. Et on va venir mettre dans le sol sur 18 blocs de profondeur, donc enfin de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et même 19 d'ailleurs. 19. Hop. Jusqu'à l'autre côté, hop, vous voyez, et donc toute cette zone là on va l'enlever et on va mettre du quartz à la place, ou en tout cas un bloc blanc. Ok, allez, let's go. Voilà, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les blocs de verre pour pouvoir faire le bord de la piscine. On va le faire à 3 blocs de hauteur sur la ligne qu'on a ici. Ok, hop, allez. Alors ça fait 1, 2, 3, ok. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre derrière en fait une espèce de petite esplanade, une petite terrasse spécifique à la piscine. On va le faire en bois d'ailleurs. Hop, hop. Alors, on va le faire à partir d'ici, on va même les mettre sur les 3 blocs de hauteur, comme ça on va faire un petit mur de bois juste à côté du mur en verre. Hop, voilà. Et on va hop venir ici le mettre sur 7 blocs de longueur, donc de bois hein. Donc à partir de celui-là, ça nous fait un bloc, 2 3 4 5 6 7. OK. On va jusqu'à l'autre côté. Hop, et on remplit la petite zone de bois ici. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir prendre les escaliers de bois. Alors, du bois de la même couleur, donc de bois de chêne, ici. Et on va les mettre dans le coin à ce niveau-là. C'est-à-dire que... Ah oui, alors ici, effectivement, il manque des choses. On va venir mettre hop, un bloc comme ça, ici, sur la longueur. Et on va venir mettre un plancher à ce niveau-là. Le plancher en fait qui va revenir à la même hauteur que celui qu'on avait fait au départ. Vous voyez de l'autre côté de la, hop, de la petite zone en bloc de bois de bouleau. Hop. Vous voyez donc toute cette zone là on la met en bois de chêne classique. Hop, allez-y. Ok. Et une fois que l'on a ça, c'est là où on va prendre nos escaliers, et ils vont servir quand même. Hein. Et on va venir mettre, hop, des escaliers ici. Hop, aller sur 3 blocs parce qu'on est généreux. Hop, hop. Voilà, pour pouvoir monter sur notre petite esplanade. Maintenant, on va rajouter un petit truc encore pour pouvoir vraiment séparer les deux espaces ici. Hop, au cas où il y a des éclaboussures, au cas où il y a des choses... enfin non, c'est juste pour faire stylé, hein, comme d'hab, mais... on va prendre des trappes comme ça en bois et on va venir faire un mur en trappe à ce niveau là. Hop. Hop, et on va rajouter une trappe encore par dessus. Hop, pour vraiment faire une séparation entre les deux espaces. Ok. On fera l'aménagement plus tard, donc le salon, les transats et tout ça. On va quand même mettre de l'eau, parce que ça c'est quand même bien, hein, on va pas se mentir. Allez, de l'eau, des seaux d'eau. On va remplir l'eau jusqu'à 3 blocs de hauteur ici. Hein. Donc, ben, hop, faut en mettre partout. Hop, voilà. Bon, ben on a notre première piscine, c'est déjà bien, ça avance. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser pour la grande piscine, hein, véritablement. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter, vous voyez, une ligne de... On avait mis 3 blocs de pierre lisse, en fait, au niveau du bas. En fait, on va en mettre une quatrième, carrément. Hop. Voilà, hein, donc des deux côtés. Et en fait, hop, cette ligne de 4 blocs, on va la prolonger
en fait sur toute la longueur de la piscine comme ça. C'est-à-dire que tout ce bloc là d'herbe qui est compris entre les blocs bleus qu'on avait mis tout à l'heure et le bas ici, tout ça on va l'enlever. Ok? Ça va nous faire un grand trou et puis c'est là où on va mettre la piscine. Allez, on va creuser tout ça. Hop, voilà à quoi ça ressemble hein, du coup. J'ai pris aussi soin de bien enlever tous les blocs qu'il y avait en dessous. Vous voyez des blocs de bleu qu'on avait mis. Donc tout le ce qui est en dessous, il faut l'enlever aussi. Voilà, pareil de l'autre côté là, vous voyez. Hein. Donc en gros, vous, à partir de là, vous creusez dans le sol sur 1, 2, 3, 4 blocs de profondeur. Voire même 5 blocs de profondeur en fait, parce que tout le sol ici va falloir le mettre en dalle, en pierre lisse. Hop, donc toute cette zone là aussi on va l'enlever, on va la mettre en pierre lisse. Donc il faut creuser 5 blocs de profondeur au total, et la première couche vous la mettez en pierre. Hop, bah allez, ouais, on fait ça. Hop, voilà, donc on a enlevé la première couche, maintenant on peut remettre les blocs de pierre. Hop, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre directement les blocs de pierre aussi sur le côté ici, là vous voyez. Tout ça, en fait, ça va être un mur de blocs de pierre, hein, comme on avait mis ici. Hop, donc à un bloc derrière les blocs bleus qu'on avait posés, hein, voyez, qu'on faut faire attention à ça. Allez, on enlève ça rapidement, je suis quasiment à la fin déjà en fait, donc je vais le faire avec vous. Youp. Alors, si tant est que j'arrive à placer les blocs où je veux sans que ça, sans les placer n'importe comment, hop. Donc en fait, ça se remplit assez vite quand on est en créatif, ça c'est sûr. Si vous êtes en survie, bah, j'avoue que ça doit vous demander quand même beaucoup plus de temps. Alors, pour pouvoir remplir maintenant les murs de la piscine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord devoir creuser ici l'escalier. Donc on va reprendre les escaliers en bois hein, qu'on avait laissés. Et on va enlever hop, toute une partie de la terre comme ça. Et on va le faire en marche d'escalier justement. Allez. Vous voyez, et on fait des dégradés comme ça. Hein. Hop, voilà. Donc on creuse ça comme ça. Et évidemment, on met à ce niveau-là les différents escaliers. Hop, de bois sur 4 blocs de large. Hop. Et arrivé au niveau du dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des trappes. Non, pas du tout, des demi-dalles. Les dalles de bois. Hop, ici, comme ça. Et on va les prolonger tout jusqu'au bout de la zone en blanc ici. Je sais plus comment ça s'appelle, du quartz, voilà. Hop, il y a beaucoup de monde à venir sur le serveur là, dis donc. Bon. Hop, voilà, donc on met toute cette ligne là en bois. Et pareil, de l'autre côté, on prolonge cette partie là aussi sur toute la longueur ici comme ça. Pareil, en dalle aussi, hop, ouais, il y a une petite erreur de ma part, on va prolonger le mur ici sur 1, 2, 3 blocs en plus, ok, et la partie en bois, on va la prolonger sur 2 blocs en plus, ok, voilà, c'est une petite erreur, hop, heureusement, rien de problématique, voilà, alors on remplit la zone en bois jusque en étant aligné avec cette partie là, vous voyez, avec ce mur là, on s'aligne ici et on va pas plus loin. Hop, voilà, et on termine notre petite terrasse. Et ce que l'on va faire du coup, c'est maintenant les murs ici et là de la piscine tout simplement. Ici on va mettre du bois du coup, hop, ici comme ça. Alors, je reprends les blocs de bois. Et on va faire pareil, hop, comme ça, sur toute la surface ici de ce mur-là. Et de ce mur-là au fond. Je rappelle qu'on est toujours décalé d'un bloc derrière les blocs bleus ici. Vous voyez, donc là, les blocs bleus, il ne faut rien mettre en dessous pour l'instant. Et c'est vraiment le bloc qu'il y a derrière. Pour éviter d'avoir des soucis.
Voilà, on va vraiment mettre tout ça en bois. Hop. Voilà, et pareil sur tout ce mur-là et tout ce mur-là. Ok, let's go. Et voilà ce que ça donne. Et vous remarquez que d'un seul coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus propre que notre tas de terre qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va encore fignoler ici le bord de notre escalier, puisque vous le voyez, il y a encore beaucoup d'herbicides, beaucoup de terre. Et donc, surtout, toute la terre visible, toute l'herbe visible ici, on va le remplacer et le mettre du bloc de quartz à la place. Donc, le même bloc hein, que le reste du mur ici. Comme ça, ça donne vraiment l'illusion que c'est un mur qui se prolonge sur toute la longueur de notre terrasse, alors qu'en fait, il y a un mur juste à ce niveau-là. Vous voyez, comme ça, ça fait propre. Alors, maintenant qu'on a notre piscine comme ça, je vais regarder un petit truc. Je ne me rappelle plus si j'ai mis des blocs lumineux ou pas. Alors, faudra faire le plongeoir aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai mis des blocs lumineux, vous pouvez le voir ici. Là, vous voyez, sur le côté, on a mis des 6 lanternes. Lanternes de la mer, donc on va utiliser ça aussi. Hop, incrusté dans les murs de ce côté-là et là. Donc on va utiliser ça, lanterne de la mer, hop. Alors on va partir du coin qui est à ce niveau là, on va compter 1, 2, 3, 4 blocs, on fait un trou, paf, on met une lanterne. Boing, boing, on va de l'autre côté, 1, non, alors non, faut pas calcer le 1. Voilà, j'ai plus ma lanterne, super, voilà, merci. Boing, 1, 2, 3, 4, voilà, on met une lanterne, magnifique, superbe. 1, 2, 3, 4 lanternes, 1, 2, 3, 4, 5 lanternes, attention subtilité, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, que voilà. Et la même chose de l'autre côté, bien sûr, youp, alors 1, 2, 3, 4 pour le premier, et 1, 2, 3, 4, 5 pour ceux qui viennent, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, hop, celui-ci il est juste en dessous l'escalier, ça tombe bien. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va utiliser les blocs de vitres bleu clair. Ici comme ça, on va en avoir besoin de pas mal, puisqu'on va entourer toute la piscine, tout le reste de la piscine. Ici en fait, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est un peu le caisson dans lequel va être contenue la piscine. Mais il va y avoir encore du bloc de verre partout. On va mettre des blocs de verre, hop, sur le mur ici. Par-dessus la pierre ici, hop, jusque là, et on va remonter ici sur le côté, vous voyez. Et ce qu'on vient de faire ici, là, pouf, 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 on va le prolonger, on va faire la même chose sur toute la longueur jusqu'au bout là-bas. Ok? Allez, let's go! Et une fois que l'on a ça, on va pouvoir mettre, évidemment, des blocs aussi au niveau du mur du fond. Parce que, voilà, sinon ça fait pas propre, encore une fois, ça fait pas luxe. C'est justement le fait qu'on mette la piscine avec deux couches de blocs. Vous voyez, il y a la couche de blocs du mur ici, qui voilà, il y a une couche de mur. Et après, il y a encore une deuxième couche pour le bloc de la piscine, pour la, comment on appelle ça, pour le mur de la piscine elle-même qui est en verre. Du coup, on voit au travers et ça nous fait deux couches de matériaux pour la piscine, ce qui est très très luxe. Et ça, on aime bien ça quand ça fait luxe, quand on peut se la péter, tu vois, genre t'es à côté de ton voisin sur un serveur, lui il a une maison traditionnelle qu'on voit souvent sur les serveurs Minecraft, vous voyez, des gens qui n'ont pas des maisons de fou, et toi tu fais ça à côté et après tu vas le voir et tu mets des pancartes devant sa maison en lui disant à quel point sa maison est pourrie. Voilà. Juste pour le narguer et il ne pourra rien répondre parce que sa maison à côté de la vôtre sera véritablement bien pourrie. Bon bref, alors du coup on va faire la même chose ici que ce qu'on a fait à ce niveau là, vous voyez. Donc on va creuser, on va enlever la terre ici à ce niveau là, évidemment. Et on va déjà enlever la terre, hein, ça va être déjà un bon début, jusque les blocs gris ici, vous voyez. Donc toute cette zone là, clac, 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 clac. Et bien tout ça, on enlève la terre. Hop. On n'enlève pas les blocs de pierre par contre. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on a décaissé un peu la terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore enlever de la terre au niveau de la zone ici, qui est au même niveau que les blocs gris. La même chose ici, la même chose ici, la même chose de l'autre côté là-bas. Et on va y mettre des blocs de pierre ici, là.
Et là, vous voyez, sur toute la surface, histoire de faire un caisson, encore une fois, qui soit un petit peu sympathique, un petit peu agréable à l'œil, qui fasse pas crado, quoi. Sinon, vous pourrez pas vous la péter à côté de votre voisin sur votre serveur Minecraft, ce qui est quand même un petit peu dommage. On va pas se mentir. Vu que c'est quand même le but principal de la maison. Hop. Bon, bah, j'ai déjà quasiment tout enlevé. Hop. Bon, ça va assez vite hein, dans les faits, surtout si vous êtes en créa. Hop. Hop, hop. Et évidemment, vous pouvez aussi rajouter quelques lanternes de la mer dans les murs. Parce que bon, quand même, s'il y en a d'un côté et pas de l'autre, hop, les gens vont se moquer de vous, vont commencer à vous jeter des tomates. Il n'y a pas de tomates dans Minecraft, et d'ailleurs, c'est une bonne... ça, c'est une mauvaise chose. Franchement, on devrait leur dire aux créateurs de Minecraft de rajouter des tomates. Paf, voilà, donc on rajoute des lanternes de la mer dans les murs. Et on va rajouter, bien sûr, par-dessus tout ça... des blocs de vitres bleu clair, paf 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 paf, you, de l'autre côté. Et en fait, cette forme là, on va la prolonger tout jusqu'à rejoindre l'autre côté là-bas, c'est-à-dire qu'on va la voir prolongée au-dessus de notre tête ici, comme ça, comme je vous avais montré tout à l'heure. Hop, voilà, youp. Voilà, et on va remplir toute cette zone là, toute cette zone ici, toute cette zone ici, et la même chose là-bas, avec des blocs de vitres bleues. Allez, let's go. Hop, et voilà ce à quoi ressemble notre piscine. N'est-elle pas vraiment sympathique? Évidemment qu'elle est sympathique, parce que sinon on la ferait pas. Mais ça manque un peu d'eau, on va pas se mentir, ça manque un petit peu d'eau. Donc on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. You. Alors, boing, 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 on va mettre de l'eau sur toute la surface. Hop, comme ça. Comme on a fait pour l'autre piscine. Hein. Bon. Eh ben, je pense que c'est bon. Vous voyez, on commence vraiment à voir quelque chose de sympa. Alors, maintenant, ce qu'il nous manque, c'est évidemment un plongeoir, parce qu'on ne peut pas faire une piscine sans un plongeoir, une piscine comme ça, t'imagines le truc. Donc, sans un plongeoir adéquat, on va utiliser des escaliers en... comment on appelle ça? En comme ça, là, en stairs, en quartz. Escaliers en stairs. On va utiliser aussi des iron traps d'or, donc des trappes en fer, ainsi que des blocs de quartz. J'en ai sur le côté, donc ça va pas être compliqué. Youp, comme ça. Ainsi que des tapis blancs. Ou de tapis de couleur, comme vous voulez. Et on va les mettre pile en plein milieu de notre piscine. Et oui, parce que notre piscine, elle est de largeur impair. Vous voyez, elle fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 17 blocs de large. Et pourquoi elle fait 17 blocs de large? Parce que 17 blocs, c'est un bloc impair, et donc on peut mettre un bloc pile au centre, et ça va nous servir pour notre plongeoir. Et oui, et oui, et oui, tout est calculé complètement. Hop, attention les yeux. Allez, attention les yeux. Alors on peut faire ça comme ça, par exemple. J'ai pas fait ça comme ça sur mon modèle, mais on peut essayer. Non, mais j'ai pas fait ça comme ça. Je vais faire ça comme ça plutôt. Vous voyez, on met des trappes en fer sur le bord, comme ça, sur trois blocs, allez. Et on va rajouter des tapis blancs par-dessus, comme ça. Comme ça, ça nous fait vraiment l'espèce de planche de plongeoir. Astuce d'ailleurs qui a été prise sur la maison de Negana, hein, qui est avec nous sur le serveur. Donc on le remercie pour la petite astuce. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir... faire deux autres gros aménagements avant de passer véritablement aux finitions. Les deux autres gros aménagements vont être la petite route qui va mener à l'extérieur du plot. Je vais vous montrer ça.
Hop, voilà, donc là je suis revenu sur la ville où on a fait la maison. Hop, pour vous montrer. En fait, l'idée c'était que. Hop, voilà, donc ça c'est la maison que j'avais fait pour faire le tuto. L'idée était ici que vous avez l'entrée du plot, vous voyez. Voilà, donc l'entrée du plot avec la route qui mène sur les autres maisons, etc. etc. Et l'idée étant que. De faire une grande route qui traverse tout le plot en entier pour aller devoir se garer avec notre voiture, vous voyez, vraiment tout jusqu'à monter sur l'espèce de machin ici et de devoir aller là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, dans une des places de parking, vous serez obligé, une fois que vous descendez de votre voiture, oh bah tiens, il a mis des places de parking en vert, luxe, le luxe, tu vois, il a une route dans sa maison qui traverse tout son jardin en entier, le luxe, double luxe, tu vois. Après, une porte d'entrée qui est dessous la maison, t'es triple luxe, de ouf, tu vois, avec plein de piscines dans tous les sens, qui sont, enfin bref, du luxe partout, c'est ce qu'on aime. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire une route comme ça qui va traverser tout le plot de la maison. Voilà, donc on revient là où on en était. On va reprendre du coup notre rampe ici à ce niveau-là et on va mettre des blocs d'andésite poli sur deux blocs sur le côté, deux blocs sur le côté ici comme ça, vous voyez. Et au milieu, les quatre blocs du milieu, on va utiliser. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. En fait, moi, je vous conseille surtout du gravier, c'est ce que j'utilisais. Vous pouvez aussi utiliser du basalte, de l'obsidian. Voilà, il y a plein de choses. Hop. Possible. Et donc voilà, l'idée c'est de creuser une route du coup qui va faire 8 blocs de large sur tout par là jusqu'à ce que vous creusez une route en fait. Moi je vais le faire jusque là à peu près, donc quelques blocs après la fosse, mais c'est pas tellement important la longueur de la route en fait. L'idée c'est vraiment que la route traverse le milieu de la maison, comme ça on a une... quand on entre dans la maison, on a vraiment la maison en hauteur d'un côté et la fosse avec les salons et les piscines en bas de l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment fait pour avoir cette différence là, une maison qui est très travaillée dans la verticalité, voilà, une maison haute et un salon bas, voilà, c'est un peu ça le principe de la maison. Hop, alors attends, je vais creuser de l'autre côté parce que je sais pas où j'en suis. Youp, hop, ok, hop, voilà. Donc voilà, l'idée, c'est toute cette zone-là, on va l'enlever et on va en faire une route. Donc on enlève toute la terre et on met, comme on a fait au bout, andésite poli et gravier au milieu. Allez, let's go. Voilà. Bon, eh bien, on commence à vraiment avoir une maison qui se tient. Ça commence bien. Alors, enfin, ça commence bien, ça fait déjà pas mal de temps que c'est commencé. On va faire, du coup... un petit, à ce niveau-là, du coup, une petite ouverture, ok. Ici, on va venir prendre des escaliers en diorite poli, pas du tout, en andésite poli. Hop, voilà. Donc, des escaliers en andésite poli, ici, comme ça, et comme ça. On va sur les côtés rajouter un petit peu de blocs de pierre lisse pour faire des rambardes à notre escalier, d'accord. On va venir reprendre des blocs d'andésite poli. Alors moi j'utilise beaucoup de blocs d'andésite parce que je suis en créatif, mais évidemment si vous êtes en survival, utilisez des dalles, hein, bien évidemment, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ou alors vous êtes vraiment dans le mode luxe à fond et vous utilisez des blocs partout, comme ça au moins vous montrez à quel point vous êtes riche. Ah oui, alors non, justement, là on va faire un truc stylé là aussi. Donc en fait on va venir faire un passage entre notre petit escalier ici, vous voyez, qui va venir youp, comme ça, et qui va après va vous partir dans ce sens là pour rejoindre notre comment on appelle ça, notre transat, pas un transat, une terrasse, voilà, à ce niveau là la terrasse autour de la piscine. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit chemin un petit peu stylé, c'est à dire qu'on va rajouter des cubes de des carrés comme ça d'andésite sur le sol, espacés de un bloc d'herbe entre chaque, vous voyez, comme ça, comme ça, ça fait un petit peu des pointillés. Hop, on en refait un autre. Hop, voilà, et à partir de 3 carrés comme ça, eh bien, on fait les autres carrés dans ce sens-là pour rejoindre, pouf, 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 voilà, pour rejoindre notre terrasse.
Et ici, bien sûr, les carrés, on les remplit, hein. Voilà. Et comme ça, du coup, ça nous fait aussi une entrée pour aller au niveau du bas, au niveau de notre fosse. Suffira d'aller par là. Youp. Hop, boing, 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 boing. Et hop, on descend dans la fosse comme ça. Oh, tiens, tiens, d'ailleurs, il y a un petit bloc qu'on n'avait pas vu ici. Et voilà, donc, maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est quand même creuser la cidrerie, parce que c'est quand même important. Alors, ah oui, alors il y aura encore une autre chose à faire, mais on va faire ça d'abord. La cidrerie, donc, on va creuser la porte d'entrée sur deux blocs de large sur trois blocs de haut. Hop. Alors, je vais essayer de retrouver la surface. Hop, voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est que, vous voyez, le mur qu'on avait laissé tout à l'heure, là-bas, eh bien, ça va être le mur qui va faire la bordure de notre cidrerie. Et toute cette zone-là de terre que vous avez ici, tout jusqu'au sol qu'on a là, eh bien, il va falloir l'enlever. Et ce, sur l'ensemble, voilà, sur toute cette zone-là. Voilà, donc, ça nous fait un petit peu de terre à décaisser. Mais bon, ça, vous commencez à être habitué maintenant, je pense. Voilà, jusque-là, donc. Allez, bah, on enlève tout ça, hein. Hop. Bon, bah voilà, ça nous fait un sacré volume à décaisser, mine de rien. On va faire plusieurs choses, comme vous vous en doutez, on va reprendre les blocs de pierre lisse ici, et on va changer les murs ici, ici et là-bas. Et là-bas aussi. On va les enlever, et on va mettre de la pierre lisse à la place, hein, voilà, hop. Hop. Voilà, et on va faire la même chose partout. Allez, let's go. Hop. C'est un petit peu mieux. On va pas se mentir, ça rend plus propre. Mais ça serait quand même encore plus propre si on changeait le sol aussi, vous voyez. Donc ici, là, on avait laissé des blocs de machin. On va les enlever. On va reprendre les blocs du sol ici. Comment ça s'appelle? Les blocs de bois. Décidément, mais on va prendre les blocs de bois foncés ici, vous voyez, donc les blocs de bois de sapin. Ok, et on va enlever la couche de terre, voilà, et on met les blocs, voilà, de sapin à la place, sur toute la surface. Allez, hop, donc décidément, on a quelque chose de beaucoup plus propre encore une fois. Alors, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est au niveau du plafond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tripler l'épaisseur du plafond. Parce que, voilà. Donc, paf, l'idée étant d'avoir un parking. Donc, c'est un parking qu'il y a au-dessus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un effet de stabilité quand même. Parce que, imaginons que vous avez une voiture sur chacune des places qu'il y a au-dessus, là. Ben, ça fait pas très rassurant, dans le sens que vous mettez des tonnes et des tonnes de poids au-dessus du toit ici, ça peut faire un peu peur que ça craque. Donc, pour prendre un peu plus de réalisme, on va multiplier l'épaisseur du plafond par 3. On va venir mettre, hop, une deuxième couche de blocs d'andésite, ici comme ça, poli, et même une troisième couche comme ça. Vous voyez, en laissant bien sûr les trous pour la lumière, hop, 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 comme ça, et on aura du coup un plafond beaucoup plus épais et beaucoup plus réaliste, j'ai envie de dire. Hop, voilà, hop. Voilà, bah voilà, on triple l'épaisseur, hein, voilà, faut du bloc, faut du bloc. Allez. On fait toute la surface comme ça. Bon, ça donne quand même l'impression que c'est plus solide, n'est-ce pas? Quand même, quand même. Alors, maintenant que on a ça, et ben dans une grosse cidrerie comme on a envie de la faire, eh bien on va faire des tonneaux géants, parce qu'on a envie, voilà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous munir de blocs de bois, de spruce en fait, donc de sapin, mais brut, vous voyez. Comme ça, hop, et je vais utiliser une hache un peu mieux que ça, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire un
On va partir du bord, en fait, de notre... du fond, en fait, du mur du fond. Et on va faire, hop, on va faire un carré comme ça, en fait. Enfin, un carré, ça va pas être un carré, mais... Youp, une forme comme ça. Ok, donc avec 4 blocs au niveau du bas, un bloc de coin, hop, 4 blocs, un coin, 4 blocs, un coin, etc., etc. Ok. Et l'idée, c'est qu'on va venir utiliser la hache pour en faire des stripped, logs, donc des blocs de bois écorcés, je suppose, en français. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser des barrels, donc des vrais tonneaux de Minecraft, pour le coup, ce qu'on peut utiliser, et les mettre comme ça, vous voyez, hop, voilà, dans un sens que l'on peut utiliser. Enfin, même si ceux qui seront sur le bord, là, on les utilisera pas, mais c'est pour le luxe, encore une fois, hein, c'est... Ah. On va reprendre les blocs de bois striped comme ça. Hop, on va les mettre sur le pourtour. Youp, on va en faire 3 couches. Hop. Je précise aussi d'ailleurs que le design de ce tonneau géant a été fait par Negana. Hop. Et que, bah voilà, quoi, c'est cool. Alors, j'ai perdu mes barrels. Voilà, donc paf, 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 paf. Voilà, on les met de face, hein, tant qu'à faire. Voilà. Non, je veux... Voilà. On va rajouter une dernière couche de striped log comme ça. Mais on va rajouter les coins aussi, hein, ce coup-ci, parce que c'est le bord de notre... Alors, ils sont pas bien mis comme ça. On va les mettre comme ça plutôt, vous voyez. De face. Hop, hop. Comme ça, voilà. On va rajouter des blocs de bois assez classiques ici, youp, youp, pour boucher le tonneau. Ok, au niveau d'en dessous, on va rajouter des escaliers en bois pour le soutenir, en fait. Hop, voilà. Magnifique. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir ajouter 2-3 petits éléments de déco. Des tripwires ici, par exemple, pour faire des robinets. Normalement, on devrait les mettre ici, les robinets. Mais bon, après, ça ferait moins bien. Regardez, on va mettre 2 chaudrons ici, comme ça. Ça fait pas mal. Si on mettait les robinets ici, tel que ça devrait être dans la réalité, ça passe pas aussi bien sur Minecraft. On va reprendre une petite dernière chose. Que sont les boutons en pierre, du coup, et on va venir les rajouter sur le côté ici, parce qu'évidemment, vous voyez que les barrels ici, donc les tonneaux sur Minecraft, ça sert à faire des espèces de lignes comme ça qui sont utiles aussi sur nos grands tonneaux en format géant. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Ah non. Voilà, voilà. Et voilà le résultat. L'idée, c'est que vous pouvez en empiler 3 comme ça au fond de votre pièce, d'accord? Je vous montrerai pas comment faire les 3 parce que suffit de reprendre exactement la même chose. Je vous laisse vous amuser. Alors, moi, je vais reprendre par contre les escaliers en bois comme ça et on va faire un espèce de présentoir. Hop, comme ça. Avec des escaliers qui vont venir jusque là, jusqu'à 2 blocs décalés de la porte. Par exemple, on va faire quelque chose comme ça, et là par le coup, on va mettre des vrais tonneaux. Hop, hop, hop. Et comme ça, en fait, cette cidrerie vous servira de salle des coffres en réalité. Donc, visuellement, ce sera une cidrerie, mais dans l'utilisation réelle sur Minecraft de cette pièce, ce sera une salle des coffres. Mais une salle des coffres déguisée en cidrerie. Est-ce que c'est pas beau, ça? Quand même, est-ce que c'est pas un coup de génie, sans déconner? Dites-moi dans les commentaires si c'est un coup de génie ou pas. Et puis, voilà. Mais ouais, c'est un coup de génie. Alors, ici on imagine, voilà, il y a les grands tonneaux. Waouh, tout ça, c'est merveilleux, magnifique. On va rajouter 2 choses dans cette pièce-là, c'est-à-dire un bar. Voilà. Donc, ici, mettons, on a 2 blocs d'entrée pour le bar. On va mettre un bar comme ça. Voilà. Et on va rajouter, hop, des striped logs par-dessus, donc orienté comme ça plutôt. Voilà. Voilà. Voilà.
Ok, donc ça va être un bar de dégustation. Et donc on va utiliser des dalles de bois de sapin, comme on a pour le reste de la pièce. Ou alors au contraire on tranche avec des dalles en bois clair, en dalles de bois de... Comment on appelle ça? De chêne. Et vous voyez qu'on est juste à niveau, hein, pour le coup là on est vraiment... hop. Voyez, c'est juste, hein. Mais bon, ça passe. Hop, on va rajouter quelques sièges quand même, hein. On va rajouter des escaliers comme ça, mais à l'envers, vous voyez, d'ailleurs, à l'envers comme ça, ça nous fait notre petit siège, c'est sympathique. Hop, voilà, un deuxième siège et un troisième ici. Voilà. Allez, on fait un quatrième parce qu'on est généreux, hein. Voilà, c'est une cidrerie, on est... ça sent bon la Bretagne, ça sent bon la générosité. Voilà, c'est la générosité. Deuxième et dernière chose que l'on va rajouter du coup dans cette cidrerie salle des coffres, c'est donc un petit élément de décoration. On va venir prendre des blocs de bois de chêne brut, donc avec l'écorce encore, voilà. Avec l'écorce, on va venir prendre aussi des blocs de verre et on va venir prendre des blocs d'herbe, tout simplement, de l'herbe ainsi que des fleurs. D'accord ? Voilà, genre ça, voilà. Ok, et on va venir faire en fait un espèce de grand carré à l'intérieur du sol, hein, de notre cidrerie, et on va venir planter des choses en dessous. Donc, on va venir faire un carré qui va faire un petit peu... Enfin, un carré qui va ressembler beaucoup à un rectangle, hein, on va pas se mentir. Voilà, qui va faire un petit peu cette tête-là. Donc voilà, on la décale de deux blocs des sièges, de deux blocs des tonneaux. Et voilà, donc de deux blocs à partir des tonneaux ici, vous voyez aussi. Donc, toute cette zone-là, on va l'enlever. Hop. Et on va mettre des blocs de chêne au niveau des alentours, de chêne brut. Hein. On va faire une cidrerie rustique en plein milieu de notre maison ultra moderne. Et on va creuser dans le sol. Bon, j'ai déjà de l'herbe moi sur mon plot, donc tant mieux. Hop. Et on va enlever évidemment les blocs d'herbe qu'il y a en dessous. Ici, comme ça, on va les rajouter en blocs de bois. Hop. Hop, voilà, n'est-ce pas? On va rajouter donc les différentes fleurs qu'on a envie. Hop, voilà. On essaie de faire un truc joli quand même, hein, parce que bon, c'est une cidrerie quand même, un minimum. Alors, et par-dessus tout ça, du coup, on va rajouter des blocs de verre. Hop, et n'est-ce pas magnifique? Eh bien oui. Et puis voilà, il nous reste du coup la porte d'entrée quand même à faire, parce que ça va être un petit peu intéressant ça quand même. Je vais prendre ça aussi pour tout à l'heure, et on va prendre, hop, des portes en spruce, donc en bois de sapin, ainsi que quelques vitres comme ça, vitres plates, ok. On va en mettre deux vitres plates comme ça au-dessus. Et on va rajouter des portes, mais en se mettant comme ça, vous voyez. En se mettant... Parce que si on place les portes directement comme ça, bon, bah c'est dans l'alignement du mur, bon, c'est ça passe aussi. Mais moi, j'ai envie, parce que ça fait luxe. Faut que j'arrête avec cette phrase. Hop, de me mettre à l'envers ici comme ça, et ça nous fait une porte qui est à un bloc... rentrer dans le mur, c'est différent. Alors, ici sur le reste du mur, ici vous voyez, bah, c'est très vide finalement. On va rajouter des blocs de feuilles sur ce mur là pour essayer de lui donner un petit peu de vie. On va essayer de faire en sorte que ce sont des lianes qui se courent sur le long du mur. Parce que pourquoi pas,
Sauf qu'on va pas utiliser des lianes de base de Minecraft parce qu'on n'est pas des clodos non plus, voilà. Et donc du coup, on va utiliser des vraies feuilles entières. Hop, comme ça. Ce qui va nous donner un mur à végétaliser assez sympathique. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas sympathique mon mur? Si, il est très sympathique. Alors, ici, il n'y a plus que l'aménagement à faire, donc ça c'est bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. En fait, ce que l'on va faire, c'est que vous voyez, en dessous de notre maison ici, eh bien, on a un grand espace qui est vide. Et j'ai trouvé un petit truc à faire que moi j'aime bien. En fait, vous pouvez étoffer la chose si vous voulez, mais je vais vous montrer ce que ça donne sur le modèle. J'ai mis juste un bassin en fait. Un bassin tout simple. Je pensais à la base, pour ceux qui étaient là en live, oui parce que je fais des lives aussi sur la chaîne YouTube assez régulièrement, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne pour voir tout ça, les lives où je construis ces choses là avec vous, et vous me donnez vos avis et tout ça, comme ça vous pouvez un peu améliorer la chose. Et bien j'avais commencé à faire juste un plan d'eau comme ça, et je me suis dit bah tiens, ça rend bien comme ça aussi, vous voyez, juste entre les quatre piliers comme ça. Et bien je me suis dit, le plan d'eau, il est pas si mal en fait. Juste à lui tout seul, comme ça, tout simple. Eh ben, ça fait un peu design prout-prout à la parisienne, tu vois. Mais ça passe. Je me dis, ça fait minimaliste. Il y a moyen, sur un malentendu, que ça passe, tu vois. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vais juste prendre la profondeur de la chose. 1, 2, 3, 4, 5 blocs pour mettre le sable. Ok. Et on va faire juste un tout petit bassin, sans rien, sans aucune prétention, juste un plan d'eau, point final. Je trouve ça très sympathique. J'utilise beaucoup de fois ce mot-là dans cette vidéo. Alors, on va prendre des pierres lisses, tout bêtement, et on va venir mettre au niveau du bord ici, vous voyez, de nos piliers là, entre le bord de chaque pilier, on va venir creuser un sillon pour mettre dans le sol une ligne de pierres lisses, comme ça. Pareil entre ces blocs là, pareil là-bas, et pareil ici, là, voilà. Vous voyez? Allez. Ah non, ça je veux pas, voilà. Ok, donc, voilà, hein, comme je vous ai dit, on encadre tout ça, comme ça on sait où on travaille. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, encore une fois, décaisser de la terre. Je sais que vous commencez à en avoir marre, mais c'est pas grave. On continue. On enlève toute la terre qu'il y a dedans sur 5 blocs de profondeur. Voilà, sur toute la zone qu'on vient de faire. Allez, ça nous fait encore pas mal de de travail de nain, mais enfin bon. Allez, on enlève tout ça. Hop. Voilà. On a enlevé toute la terre. Donc, sur 5 blocs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme vous le voyez ici, boing, boing, on va reprendre nos blocs de béton gris. Et on va venir, hop, faire prolonger les blocs de béton tout jusqu'au fond de notre bassin. Comme ça, on a vraiment l'impression que les piliers se prolongent. Hop. Tout jusqu'au bord du truc. Jusqu'au fond de notre bassin. Hop, voilà. Hop, et le petit dernier. Youp. Hop. Bon. Eh ben, vous connaissez la chanson, hein. On enlève les murs ici, hop, et on le remplace en pierre, vous voyez, comme ça, voilà, donc sur tous les murs, déjà, et puis, puis on va déjà faire ça, d'accord, allez. Hop, bon, ça fait plus propre. Au niveau du sol, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser des glowstone, parce qu'on a envie que ça glow, que ça soit joli. Enfin, vous pouvez utiliser autre chose, évidemment, si vous n'aimez pas les glowstone. Hop, moi, je vais utiliser les 6 lanternes. Comme ça, ça va faire une différence avec le modèle. Comme ça, vous pourrez choisir mieux ce qui vous plaît. Ce que je vous propose, c'est que l'on fasse, en fait, deux rangées de pierres de lumière, comme ça, sur notre bassin. Genre, ici, comme ça, on va commencer de deux blocs de distance par rapport au pilier. Donc, deux blocs, 3, 1, 2, 3, 4, paf, allez. 3, 4, paf, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, ici c'est un peu trop près, donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On avait laissé combien de blocs ici? 4 blocs par rapport au mur. Ici 3, 4 blocs, paf, donc on va reprendre la même chose que ce qu'on a mis de l'autre côté. Je crois que j'ai laissé 5 blocs à celui-là, tiens. Écart. Hop, voilà. Au même niveau, on va rajouter du sable partout, du coup. Voilà. Vous voyez, donc tout à ce niveau-là. Du sable sur toute la surface. Let's go. Ok. Bon. Eh ben, vous avez compris l'histoire, hein. Par-dessus ça, on rajoute une couche d'eau. Voilà. Allez. Voilà. Est-ce que ça se remplit tout seul ou est-ce que j'ai encore oublié des choses? Voilà, normalement la vague, elle va tout jusqu'au bout là-bas. À la limite, est-ce que ça serait possible de faire du surf sur Minecraft, vous pensez, avec ce genre de vague comme ça? Hein, faudrait essayer. Alors, donc là j'avais mis la Night Vision, hein, d'ailleurs, pour pour pouvoir builder en dessous pour que vous n'ayez pas d'ombre. Et évidemment, vous aurez de l'ombre. Voilà, donc l'éclairage, ça marche bien comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque notre jardin à l'arrière ici, comme ça, à l'arrière. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder l'eau avec nous. Et vous voyez, donc on va faire le jardin sur notre socle, comme ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va creuser une sorte d'espèce de rivière, un peu en slalom, vous voyez, hop, comme ça sur le... sur la longueur de notre de l'espèce de grand jardin ici, vous voyez, hop, voilà, comme ça, hop, comme ça, voilà. C'est une rivière qui est pas tout à fait centrée, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de centré, c'est d'avoir une rivière qui fait à peu près la longueur de la chose. Donc hop, voilà, maintenant on rajoute de l'eau. Youp. On enlèvera les courants juste après, hein. Hop. Et une fois que on aura fait cette espèce de début de rivière, on va mettre tout un tas de fleurs autour. Des fleurs, évidemment, mais aussi des espèces de feuilles pour faire des faux arbustes. Et hop, là je corrige les là où il y a du courant. Et aussi des cannes à sucre et des bambous, comme ça, ça va nous faire un petit jardin assez aéré. L'idée étant de ne pas trop surcharger le jardin non plus, hein, pas faire quelque chose de trop chargé. C'était un peu le problème qu'on avait eu en live. Voilà, donc là il n'y a plus de courant, c'est plutôt pas mal. On va utiliser, voilà, les fleurs bleues, les fleurs blanches, ça c'est déjà bien. On va utiliser pas mal les roses, les rosiers. Aussi, ah oui, les fougères. Ça c'est bien. On va utiliser les cannes à sucre parce que ça pousse à côté de l'eau. Donc ça c'est bien. Les bambous aussi. Et puis voilà, on va utiliser peut-être les herbes classiques aussi pour finir la touche de finition. Alors les bambous, c'est ce qu'il y a de plus grand, ce qui pousse le plus haut. Il faudra juste faire attention à ce que ça ne dépasse pas la hauteur de la maison ici parce que... Oh, quoique, en fait, on peut faire dépasser. Ça pose pas de problème. Bon, voilà, vous faites quelques bambous, pas beaucoup, parce que les bambous, ça peut pousser assez haut. Donc, moi, j'en fais juste avec parcimonie. Vous voyez. Hop. Et s'il y en a un dans les commentaires qui pose la question, c'est qui parcimonie? Je lui mets un pouce bleu à son commentaire. Bref, donc voilà, on commence avec ça. On rajoute des cannes à sucre. Hop. On va essayer de les garder à 2 blocs de hauteur avec quelques cannes à sucre qui font 3 blocs de haut, mais pas beaucoup. Parce que sinon, ça va faire un peu too much. On en met un petit peu plus que des bambous, là, pour le coup, pour avoir un... Voilà. J'ai fini ma phrase. Hop. Voilà. Donc on a déjà plus de choses. On va prendre des rosiers, on va les mettre
avec parcimonie, mais avec un peu plus de simonie que pour les bambous. Ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Hop. Hop, hop. Vous voyez, ça rajoute une touche de couleur qui est quand même non négligeable. Hein, on aime ça. La couleur, c'est joli. Donc, voilà, ça, c'est la phrase de l'année. La couleur, c'est joli. Fleur bleue, parce que j'ai dans la main. Avec un petit peu plus de voilà, on en met un peu plus, quoi. Hop, voilà. Voilà. Fleur blanche, parce que les blanches, ben, ça fait des fleurs blanches. Vous voyez à quel point je suis un poète, hein, quand même, avec les mots. Hein. C'est incroyable. Hop. Allez, hop. Ben voilà, si c'est pas joli, ça. Allez, on rajoute une petite touche, encore avec quelques fougères. Histoire de dire. Aïe. Je me suis pris le plafond dans la tête. Voilà, et quelques petites touches d'herbe classique. Histoire que ça se voit pas vraiment, mais histoire de donner un petit peu de relief, un petit peu de... Ah voilà, tu vois, un truc un peu sympathique. Je serais curieux de savoir combien de fois j'ai dit le mot sympathique dans cette vidéo. S'il y en a un qui peut faire le... qui peut le mettre en commentaire, j'avoue que... Ah là là, je lui mets un pouce bleu à lui aussi, à son commentaire. Je le mets en top truc, tu sais. Bon, ben voilà, ça donne quelque chose de pas mal comme histoire. Alors, pour en finir avec les structures et passer définitivement aux finitions, avec les jardins et tout ça, enfin, on a fait un peu de finition avec le trampoline, là, ici. C'est pas un trampoline, c'est un plongeoir. On va faire des escaliers pour monter aux étages supérieurs. L'idée étant que l'on va utiliser le même genre d'escalier que ce qu'on a utilisé ici, c'est-à-dire avec des blocs de dalles et des... Enfin, des marches en dalles et des piliers en béton, comme ça, vous voyez. Boing, boing, boing. On va venir faire notre premier escalier à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de large, enfin d'espace avec notre premier escalier ici. Il est de combien de blocs l'escalier? 6 blocs de large. 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Les marches font 4 blocs de large aussi, pareil. On a de l'espace dans la maison, donc autant l'utiliser. Hop. Voilà, donc avec un écart de 2 blocs à chaque fois par marche. C'était exactement ce que je voulais faire. Allez hop. Youp. Deuxième marche. Hop. Hop. Voilà. Et puis, on va faire un trou quand même dans le plafond, parce que pour pouvoir faire un escalier, c'est quand même plus simple. Voilà. Hop, alors, ah tiens, j'ai pas fait surtout de la longueur, j'ai pas fait gaffe. Ok. Donc ici. Voilà, on a 2 blocs encore. Et ici, on va rajouter. En fait, ça, c'est aussi une astuce qui nous permet de faire des très très grands escaliers comme ça. Ça nous permet en fait de combler beaucoup d'espace à l'intérieur de la maison. Pour ceux qui, comme moi, sont pas bons en décoration d'intérieur. Ou alors qui sont pas bons, qui sont... pas terribles, qui sont pas des génies en déco d'intérieur, que ça les gonfle un peu. On peut faire ce genre de choses. Là, pareil, vous voyez, on peut mettre des piliers pour faire en sorte que l'escalier se tienne un petit peu, quand même. Soit un petit peu crédible. Voilà, donc on peut faire le même escalier pour monter à l'étage du dessus en le décalant par là-bas, par exemple. Donc voilà pour les escaliers. Donc ça, c'est cool. Alors... Eh bien, je pense qu'on a fini la structure de la maison et que l'on va pouvoir passer aux finitions, c'est-à-dire les jardins, les terrasses, enfin pas les jardins justement, mais les terrasses
Et le verger, oui, c'est vrai que j'ai pas montré pour le verger. Donc pour faire le verger, je vais prendre des barrières de bois avec des feuilles, et aussi des pots de fleurs. Vous allez comprendre. Youp. Alors, on va prendre des barrières, des feuilles de sapin, moi j'ai pris, et on va pouvoir utiliser aussi des pots de fleurs pour faire croire à des pommes, en fait, parce que c'est petit, c'est rouge, rougeâtre, donc on peut essayer de faire croire que c'est des pommes. Voilà, à la limite. Alors l'idée, évidemment, ça va dépendre de votre plot. Moi, j'ai mis les pommiers, voilà, dans le creux ici, il y a entre la piscine et la fosse. Donc, pour faire un pommier, bah, c'est pas bien compliqué. On empile 4-5 branches comme ça. Hop, hop, on en met une un peu comme ça, un peu comme ça, un peu dans tous les sens. Et on met quelques blocs de feuilles dispersés de manière négligente. Hop, avec quelques trous évidemment pour pas faire un truc complètement bouché. Hop. Et on rajoute par-dessus des petits pots de fleurs pour faire croire à des pommes. Alors, pour certains qui maîtrisent un peu mieux Minecraft, vous avez l'opportunité d'utiliser des têtes customisées. Qui sont en pommes en fait justement, qui sont des têtes de pommes, des têtes de joueurs, des têtes de Minecraft en fait, qui ont eu un skin en tête de pomme, et vous pouvez utiliser ce skin là pour faire vos propres vergers, donc ça peut être cool. Bon voilà, l'idée c'est que vous reprenez cette même arbre, vous le refaites autant de fois qu'il faut. L'idée c'est d'espacer les arbres de 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paf, on en met un autre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paf, on en met un autre ici. Etc, etc, vous avez compris. Pareil, on fait une deuxième rangée avec 8 blocs de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que, au lieu de mettre un arbre ici, on va mettre un arbre dit en quinconce. Alors ça, ce sont des véritables techniques qui sont faites dans les véritables vergers, hein. En arboriculture, c'est comme ça qu'ils font. D'ailleurs, j'ai mis 8 blocs d'écart. C'est parce qu'il y a 8 blocs d'écart aussi entre les arbres en arboriculture. Dans certaines techniques, ça varie, mais voilà. Donc, c'est pas pour rien que je fais ça. C'est vraiment parce que ça respecte les vraies normes. On va les décaler de 4 blocs, en fait. Ou de 3 blocs, comme vous voulez. 1, 2, 3 blocs. Et au quatrième bloc, on met un ici, comme ça, vous voyez. Et par contre, à partir de là, on compte 8 blocs pour le reste des lignes ici. En fait, on refait la même ligne que là-bas, mais décalé de 4 blocs. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paf, etc, etc. Ok, et vous dupliquez les lignes, autant de lignes que vous voulez, sur autant de colonnes que vous voulez, sur la longueur que vous voulez, etc, etc. Ok, donc c'est bon pour ça. On peut rajouter des composteurs aussi au début de ligne. Moi, ce que j'avais fait, histoire de rajouter un petit plus. Mais finalement, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les terrasses et l'aménagement, finalement? Eh bien, je crois bien que oui. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi. Évidemment, l'aménagement, c'est pas mon fort, donc je vais vous montrer, voilà, comment faire les choses. Au niveau de la terrasse, youp, dans la fosse. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai recouvert la... Ah, oui, tiens, mince. Attendez. Hop, ici, en fait, vous voyez, j'avais utilisé un bloc complet, un bloc plein, pour être à la même hauteur que la ligne... Que le mur de verre, en fait, on peut enlever cette couche de blocs là. Ça, j'avais oublié, navré. Hop, et mettre des dalles à la place. Comme ça nous permet d'avoir une petite marche pour aller dans la piscine. Vous voyez, ça nous fait quelque chose de plus réaliste finalement. Ok. Hop. Donc une fois qu'on a enlevé tout ça, hein, on met des dalles à la place. Youp. Hop, voilà. Rapidement. Hop, voilà. Et donc comme ça, ça nous fait un petit décalage pour aller dans la piscine. Ça nous fait une petite marche et wiou, blou, blablabla, voilà. Comme ça, c'est très très bien.
Hop, donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé des strings comme ça, donc des ficelles à mettre dans ce, à 3 blocs de hauteur au-dessus de notre terrasse. Ici comme ça, sur 3 blocs de large. Et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de long. Pour pouvoir poser des tapis blancs par-dessus, c'est ce qui nous fait un parasol en fait. L'intérêt aussi d'avoir un plancher en dalle, c'est le fait de pouvoir incruster des escaliers, comme vous pouvez le voir, de sapin dedans directement. Et ça nous fait deux transats comme ça, avec des dalles hein, de couleur de sapin aussi pareil à côté. Comme ça, ça nous fait deux transats qui sont incrustés dans le sol. C'est notre style. Là, ici, pareil, ce sont des blocs en fait de sapin qui sont posés, ce qui nous fait une table basse. Du juste une dalle de haut, mais sur laquelle on peut poser des choses, puisqu'évidemment, comme le sol est déjà en dalle, eh bien, en rajoutant une dalle de plus, ça nous fait un bloc complet. Du coup, j'ai pété ma plaquette en or. La plaquette en or, ça nous permet en fait de simuler un magazine qui serait jaune, tu vois, l'idée. Et la bougie, c'est parce que... c'est parce qu'on est en 1.17 et que, ben, comme ça, il y a des bougies, voilà. Ici, un salon, ma foi, très sympathique. Comme ça, vous pouvez rajouter au compteur du mot sympathique. Alors, l'idée, c'est de prendre des blocs de laine bleue d'abord et de les mettre, voilà, comme ça, en coudé, par exemple, ou voilà, comme ça, histoire de faire un espèce de carré, vous voyez, avec des canapés. On met des dalles de sandstone devant, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir faire un espèce de carré au milieu. Au milieu, on met... deux diorites pour faire une table, et puis puis voilà, des trois petits blocs de feuilles espacés d'un bloc chaque pour faire un petit peu de vie, un petit peu de voilà, tu vois, donner un petit peu de couleur. Et on sépare les espaces entre ces deux salons ici avec un meuble en bibliothèque, du coup voilà, je trouvais plus le mot, avec voilà, une petite barrière comme ça, une espèce de U renversé sur le côté, avec une petite barrière pour le soutenir le chose, ça fait sympa. Et pareil, trappe d'or avec des plaques de pression par-dessus pour pouvoir voilà, donner un petit truc de détail supplémentaire. Pareil ici, là on va carrément utiliser des... on va enlever le sol, une partie du sol comme ça, pour pouvoir mettre des blocs de laine bleue, et incruster des canapés directement dans le sol. Vous voyez, donc un salon très 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 plat, très zen, un peu à la japonaise. Et pareil du coup avec des escaliers, pas avec des dalles de sandstone ici, et de la diorite pour faire des tables. Donc voilà, un peu le même style, pour pas trop changer. Et pareil, voilà, donc là il faut creuser dans le sol, hein. Il faut enlever une partie du sol, et mettre un bloc encore en dessous, un bloc de boulot encore en dessous, pour, parce que les feuilles étant transparentes, vous voyez, si on avait gardé juste la terre en dessous, bah ça se serait vu, regardez, hop, 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 vous voyez, là on voit bien qu'il n'y a pas de bloc de boulot en dessous, ok, alors que ici on voit qu'il y a un bloc de boulot, et vous voyez que le contraste entre les deux, eh bien il est assez flagrant. Donc c'est les petits détails comme ça qui font les grands salons. Ici, j'avais pas tellement d'idées, donc j'ai fait des meubles au pif, tu vois, un U à l'envers en bibliothèque, parce que pourquoi pas, et d'ailleurs, il me manque des choses ici, j'avais mis des choses ici. Youp! J'avais rajouté des dalles, des trappes, comme ça, pardon. Hop, ici, comme ça, par exemple, pour faire un petit meuble. Ça peut être bien, tu vois, genre un petit meuble. Paf. Paf. Hein? Voilà? Hein? Oui. Ici, une table en verre. De 4 blocs sur 4 blocs de large avec un trou de 4 au milieu. Des tapis bleus par-dessus pour reprendre un peu le ton de couleur des autres des salons. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Voilà, donc ce qui nous reste en fait, c'est les terrasses et la maison elle-même. Donc comme vous le voyez, j'ai rajouté pas mal de végétation ici. Donc la végétation, c'est... que j'ai mis du coup dans les trous, là vous voyez, quand on a fait les murs et les rambardes, laisser un bloc ici, eh bien c'est pour pouvoir mettre de la végétation justement. Donc l'idée, si on met des tas de feuilles un peu comme ça qui tombent un peu sur le devant, pas à chaque fois non plus,
on fait des formes différentes à chaque fois. Là, vous voyez, il a deux blocs de haut. Ici, elle a trois blocs de haut. Ici, il déborde pas sur le côté. Ici, bon, voilà, il déborde un peu plus. Ici, c'est deux petits choses comme ça. L'idée, j'ai essayé plusieurs façons de faire, en fait. Et avec des herbes mis, enfin des blocs de feuilles mis de façon régulière et tout. Et c'est cette façon-là qui passe le mieux, en mettant des touffes de feuilles qui sont de tailles différentes, de formes différentes et de manière irrégulière à chaque fois, vous voyez. Ici c'est un grand truc, ici c'est un petit, ici c'est un grand mais qui tombe pas devant, ici c'est un grand qui retombe, voilà, donc c'est très différent à chaque fois. Et ça nous permet de varier les plaisirs. Sur chaque étage du coup, bien sûr. Au niveau des terrasses, alors là on va se faire plaisir au niveau des piscines. On va reprendre le même code de couleur, le même code de construction qu'on avait fait pour le reste de la maison, à savoir du coup des vitres bleues qui entourent des piscines. Ok. Et des dalles de quartz aussi, bien sûr. Ici pour la piscine de cette terrasse là, on va venir prendre le coin pour avoir des repères. 1, 2, 3, 4 blocs de piscine. À partir du 5e bloc ici, on va rajouter une ligne de dalles. Enfin pas du tout, une ligne de bloc bleu. Boing, boing, boing. Jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 blocs du bord du mur, ici. Ok. Puis arrivé là, du coup, on fait une ligne de 3 blocs de quartz. Et on finit avec des blocs bleus. On met de l'eau et puis tadam, ça nous fait une piscine. Hop. Alors ici, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai utilisé pour l'ensemble des terrasses, vous voyez ici, 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 là, ici, ici, même ici, des canapés, des tables, des parasols, etc., etc., des chaises qui sont toutes en blackstone, en pierre noire, d'accord? Blackstone stairs, blackstone demi-bloc, blackstone table et tout ça, ok? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça en blackstone? C'est pour pouvoir avoir un contraste avec le reste de la maison. La maison est très blanche, les murs sont gris, très foncés, et donc le fait d'utiliser de la blackstone, ça permet de garder le ton de couleur très contrasté justement entre le blanc et le noir, qui est qui représente la maison, quoi. Donc, sur cette terrasse-là, on va utiliser escalier et dalle de blackstone pour faire quelques petits transats, rien de bien compliqué. Ici, bibliothèque, posée comme ça. Deux dalles devant, histoire de dire qu'il y a deux dalles devant. Ici, c'est un petit peu plus sympathique. Alors, on met des lignes comme ça de laine bleue, avec des dalles de sandstone par devant, comme pour faire les salons, comme on avait fait là-bas. On aurait pu mettre de la diorite encore devant, mais enfin entre les deux pour faire la table, là j'ai mis des blocs bleus encore. Bon, voilà. À quoi ça ressemble ? Ici, hop. Alors, c'est un petit peu différent. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une table en dalle de pierre noire, de blackstone, sur du coup 5 blocs de long ici, sur 2 blocs de large. Puis après, ici sur le côté, sur 3 blocs de long. Et puis après, re sur 3 blocs de long ici, comme ça. Et c'est toujours en dalle, donc avec un espace en dessous. Voilà, des escaliers sur le côté, histoire de dire que ça fait des chaises, hein, voilà. Et le creux au milieu, eh ben on met des blocs de feuilles par-dessus. Une dalle, enfin une assiette en iron devant les chaises, et puis c'est bon. Pour une grande tablée qui fait du bien. Ici, c'est très sympa. Encore une fois. J'ai mis une piscine en plein milieu, et pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, il faut marcher sur le milieu de la piscine, comme ça, sur les espèces de piétons, de passages piétons, au milieu de la piscine, comme ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est hyper classe. Alors, si vous voulez refaire la même piscine, vous partez du bord du mur ici, du bord en mur en béton, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocs de décalage, et vous faites un mur en vitre bleue ici de 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de long. 8 blocs de long de chaque côté du coup. Et juste derrière, vous mettez une barre de quartz du coup, voilà, qui dépasse de 2 blocs ici. Hop, la piscine.
vous faites la même chose de l'autre côté. Elle va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocs de long. D'accord ? Et vous refaites la même chose ici. Des carrés de quartz au milieu, comme on avait fait pour l'escalier là-bas. Et puis vous avez votre passage. Le reste du mobilier, il est très très simple. Un U en bibliothèque, comme on avait fait dans la fosse, avec des dalles devant. Voilà, bon. Transat classique, escalier dalle. Bon. Là, pareil. Vous voyez, vraiment, au niveau mobilier, je me suis pas posé trop de questions. Hein. C'est vraiment du simple. Ici, pareil. Hein, donc, bibliothèque posée en rond, avec deux trous au milieu, histoire de... Voilà, histoire de... des dalles. Et puis un canapé, ici comme ça, fait en laine bleue, qui se recroqueville un petit peu comme ça. Voilà. L'idée pour faire un canapé un peu stylé, c'est de faire des lignes de laine d'une couleur, peu importe que celle que vous voulez, de les faire un peu dans tous les sens, et de mettre des lignes de dalles comme ça, par devant. Ça nous fait un canapé dans quasiment tous les cas. Et puis ça passe bien, donc voilà. Voilà, voilà. Ici, j'ai repris la même table que tout à l'heure, vous voyez. Bon. Ici, les mêmes transats que d'habitude. Ok. Et là, c'est la petite amélioration. Alors. Barrière en netherite. Sur 4 blocs de haut. Ici, une dalle de blackstone, du coup, de 3 par 3. Et de chaque côté, on va rajouter des espèces de ficelles comme ça qui flottent dans les airs pour pouvoir poser des tapis par-dessus. Vous voyez qu'ils sont de manière asymétrique au niveau du parasol. Il y en a plus, enfin on va dire, on va étaler davantage les ailes du parasol au-dessus des transats, bien sûr, pour faire de l'ombre. Voilà, donc sur 4 blocs ici, sur 4 blocs ici de long, bien sûr, et c'est juste sur 2 blocs de chaque côté. Voilà. Alors, bah ici, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein, bloc bleu et sandstone. Ok, petite dalle, petite table en dalle et des escaliers. Bah voilà, un transat en escalier dalle, hein, classique. Le parasol, pareil, c'est juste que là, un petit peu différent. Juste fait une petite croix en dalle, du coup, de blackstone ici. Et le reste, c'est du tapis qui vole sur des ficelles. Sur deux blocs comme ça, deux marges sur les coins, vous voyez, donc vous comptez deux blocs comme ça et vous alignez. Vous faites un grand carré et vous coupez les coins du parasol, ça vous donne un parasol. Ok. Pour la piscine, ce qui reste, du coup, alors, on va partir du coin là, d'accord. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs et on fait une ligne de vitre bleue sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 blocs, ok. Une ligne de 12 blocs de ligne de blocs bleus, et donc 13 blocs de quartz, ok. Donc 12 blocs en bleu, 13 blocs de quartz, et à partir de là, tout jusqu'au bord du mur, hein, bah vous mettez une ligne de bleu aussi, encore une fois, et vous faites la piscine. Bon voilà, sur cette terrasse, hein, rien à déclarer. Escalier dalle, et puis c'est bon. Et puis voilà pour l'aménagement. Est-ce qu'elle est pas jolie la maison, sans déconner? Franchement, n'hésitez pas à faire vous-même vos maisons et à me les envoyer par mail, par je sais pas quoi. En commentaire, c'est dommage qu'on puisse pas mettre de mages en commentaire. Vous auriez pu les mettre. Et sur ce, eh bien, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder d'autres tutoriels ou suivre aussi les lives que je fais sur la chaîne. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.